Amen. Gloire, gloire, gloire. Rempli joie moi, rempli joie moi, rempli que moi. Esprit Saint descend sous moi. Moi voulais sentir présence sous la. Où c'est sous la vie moi. Et fort moi faire ma voix. Rempli joie moi, rempli joie moi, rempli que moi. Esprit Saint descend sous moi, même les sentis présents sous la, où c'est sous la vie moi. Et fort moi fait ma voix en rien. Sous ta vie est d'eau, sous ta vie est d'eau pour moi. La vie t'a notre. Nous derrière moi rempli, vous joie moi. Rempli, joie moi, rempli que moi. Gloire à Jésus. Esprit Saint descend sous moi. Mais j'ai senti présence sous la. Où c'est sous la vie moi. Et fort, moi, fait ma voix, oh yeah. C'est où seulement qu'il fait moins bien. Si où ta vie est trop pour moi, la vie à notre échelle. Disons, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Sous ta vie redoban moins le Saint-Esprit, la vie t'a nan tintin, t'a tombé dans tintin. C'est un chant qui était écrit par Maestro Kaya, Franz Kaya, pasteur de l'église de Dieu de Gonaïve. Donc, bien-aimés frères et sœurs, et aussi c'est un chant qui était chanté dans le groupe EJC de Fontamara. Rempli joie moins, rempli que moins. Et l'Esprit Saint descend sous moins. Donc, le sanonté est batteur dans le groupe là. Donc, nous adorons ici avec chance. Donc, bien de mes frères, nous allons lire pour vous. Nous allons lire et un seul verset. Et Éphésiens, chapitre 1er, verset 13. Éphésiens, chapitre 1er, verset 13. Je lis pour vous. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Notre sujet se dit avec le Saint-Esprit, nous ferons des exploits. Mais aussitôt, le contexte de mon message se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, du verset 1er jusqu'au verset 13. Actes des Apôtres, du verset 1er jusqu'au verset 13. Gloire à Jésus. Donc, nous allons méditer la parole de Dieu pour vous. Bien-aimés frères et sœurs, pour les chrétiens, après le jour de la mort et la résurrection de Jésus-Christ,
Aujourd'hui est le jour le plus spécial pour eux, le jour de la Pentecôte. En ce jour, l'Église était baptisée d'une puissance qui avait été promise par Jésus-Christ dans Jean chapitre 14, versets 16 et 17. En disant, « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Dans le verset 17, « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Tous les exploits de l'Église commencent à partir le jour de la Pentecôte. C'est la raison pour laquelle je dis mon sujet intitulé avec le Saint-Esprit, nous ferons des exploits. Nous allons considérer avec vous environ deux éléments. Le Saint-Esprit, c'est être vaillant et courageux. C'est un premier bagage, le Saint-Esprit bas, selon Actes chapitre 4, verset 8 et verset 19. Deuxième élément, nous pourrons le considérer avec ce que le Saint-Esprit fait, être capable de produire des miracles. Lorsque le Saint-Esprit gagne deux bagailles, les faire vaillant, courageux, et les bonnes capacités pour produire des miracles, bien-aimés frères et sœurs. Une église qui néglige le Saint-Esprit est une église morte. De Genèse à l'Apocalypse, le Saint-Esprit contrôle toute la Bible. Si nous lisons Genèse 1er, verset 2, la Bible nous dit « L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Dans le dernier livre aussi, Apocalypse 22, verset 17, ça se dit « Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens !» Non seulement le premier livre de la Bible parle du Saint-Esprit, commencé avec Saint-Esprit, et la Bible finit avec le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, les Juifs célébraient environ 9 grandes fêtes. Si vous regardez Lévitique chapitre 23 et Lévitique chapitre 25, il y a 9 grandes fêtes les Juifs y ont célébré. Il y a un premier groupe, 3 fêtes. Première est le sabbat hebdomadaire, deuxième nom est année sabbatique, troisième nom est jubilé. Trois fêtes, ça y est, 9, ils ont évoqué, n'est-ce pas, la première grande œuvre divine, celle de la création. Trois fêtes, ça, mon Dieu fait juif, célébrer, puis être capable d'évoquer grande œuvre création. Selon Apocalypse chapitre 4, verset 11. Il y a 6 lots qui étaient dans 9 là. C'est, premièrement, la Pâque, c'est la fête des pains sans levain. Lévitique 23, verset 8, qui fait, ça fait allusion, n'est-ce pas, au calvaire. Deuxième fête là, c'est la gerbe des premiers fruits. Lévitique chapitre 23, verset 9 à 14. C'est une fête qui fait allusion à la résurrection. Troisième dans l'ancien là, la fête des 7 semaines. Lévitique 23, verset 15 à 21. Et fête, ça fait allusion ou bien ou référence prophétique à la Pentecôte. Longtemps, Ancien Testament, la fête des 7 semaines. C'est lui-même qui te fait
Pentecôte là. Mais bien aimé, yo célébré et je dis à que tu fais allusion, tout ça que tu as passé dans l'Ancien Testament, yo t'es symbolisé, yo t'es préfiguré, yo t'es un type de commission en théologie, on dit la typologie. Yo t'es un type de ça qui est pour venir. Quatrième fête l'an 9. Alors l'an 6 là, on bon 3 avant de tout le 9 grandes fêtes que les juifs ont qu'on célébrer, il y a 3 là de on se dit ou là qui évoquait grande œuvre de la création, 6 lotio la Pâque, j'aime des premiers fruits, la fête de cette semaine lui même qui fait allusion au jour de la Pentecôte ou bien prophétique à la Pentecôte. Quatrième, non 6 là, la fête des trompettes, c'est 6 ma dernier ma prêt voilà, on parlait de 3 déjà. Donc moi écrivé le quatrième, la fête des trompettes là, Lévitique chapitre 23 du verset 23 jusqu'au verset 25. Faites ça, la fête des trompettes, il fait allusion à l'enlèvement et au retour de Christ. Et cinquième fête là, c'est le jour des expiations. Ou venir dans Lévitique chapitre 16, Lévitique 23 et verset 26, rivé verset 32 aussi. Et fête, ça fait allusion, n'est-ce pas, à la tribulation à venir. Et sixième grande fête là, eh bien, l'an deuxième catégorie, c'est la fête des tabernacles. Ou je dis dans Lévitique chapitre 23 du verset 33 jusqu'au verset 43, il fait ça fait allusion, n'est-ce pas, au millénium, règne millénaire. Donc en tout nous parlons de 9 fêtes. Gain 3 là-dedans au parler des œuvres qui évoquent création, là on te qu'on baille célébrer, mais pour qui raison te qu'on célébrer? Pour évoquer grande œuvre de la création. Six l'autre yo même ça a évoqué. Yo évoqué, n'est-ce pas, une deuxième grande œuvre divine qui œuvre liée, celle de la rédemption. Apocalypse 5 verset 9. Trois yo évoqué. Hein? Les grandes œuvres de la création. Gè six, non, neuf fait yo même yo évoqué, n'est-ce pas? Et grande œuvre divine, celle de la rédemption, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Apocalypse 5, verset 9. Donc, la Pentecôte signifie 50. Son bagarre ou habitué avec lui en grec. C'est la troisième des fêtes solennelles juives mentionnées dans Lévitique 22. Fête Pentecôte, c'est troisième fête solennelle. Juif yo bay en pile importance. Même entré dans Lévitique 23. Et aussi, la fête de la Pentecôte, li gagnon pile analogie. Analogie de la Pentecôte, non seulement de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Pentecôte tombait 50 jours après la sortie d'Égypte. L'agneau pascal fut immolé le 14 avril, le Nisan, 1491 avant Jésus-Christ. Et Israël quitta l'Égypte la nuit suivante. Regardez Exode chapitre 12, verset 1er, verset 2, Exode et 12, verset 6, verset 12, verset 31. Israël, yo fin tué agneau, pascal là, manger, et puis le demain matin, il a déplacé pour yo aller faire route là. Exactement. 50 jours plus tard, yo fin kite a tué agneau, hein? Exactement 14 nisan, et puis demain yo déplacé. Y a marché. Là yo arrivé après 50 jours de marche. Yo arrivé en bas mon Sinaï. Quand t'as parlé de Sinaï. Yo arrivé là 50 jours. Bon Dieu dit, je arrive en bas mon après 50 jours quitté Égypte. Eh bien, bon Dieu a donné yo. Yo pral presque arrivé la première semaine juin avant pour faire 50 jours. Selon Exode 19, verset 1er,
bon Dieu mandé yo pour yo célébrer Pentecôte qui égale 50 jours yo té quitté Égypte en bas mon Sinaï célébration faite après 50 jours. Ça c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament lui-même, ça où elle fait. Pentecôte tombait après la résurrection de Christ. Le Seigneur fut crucifié durant la semaine pascale en avril. Jean chapitre 14, chapitre 19, verset 14. Le Jésus ressuscité, il passa 40 jours avec ses disciples. Après la résurrection, selon Acte 1er verset 3. Et puis l'aller en 40 jours, après 40 jours résurrection, l'aller. Après 10 jours de rivée dans le ciel, n'est-ce pas, vidé le Saint-Esprit sur le monde. Donc 40 jours plus 10, libo 50. Donc le Saint-Esprit vint lui-même après 50 jours. Jésus ressuscité. Pour analogie, ah oui. Donc, tout ça que qu'on a passé dans l'Ancien Testament, Pentecôte, son bagaille était annoncé, son bagaille était préfiguré, son type était. Même bagaille. 50-50. 50 jours après qu'on quitte l'Égypte, Pentecôte pour Israël. 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ, Pentecôte pour les chrétiens. La Pentecôte de l'Ancien Testament et. Ou capable de garder l'acte des apôtres, chapitre 1, verset 5 lui-même, c'est pour Pentecôte pas nous, l'acte 2, verset 1. C'est pour Pentecôte pas nous. L'autre analogie gagnée dans la question de Pentecôte, là, la Pentecôte de l'Ancien Testament, il célébrait la naissance de la nation d'Israël. Regardez pour vous, Exode chapitre 19, verset 5. Pentecôte, l'Ancien Testament, c'est pour te célébrer naissance nation Israël. Et pourtant, la Pentecôte du Nouveau Testament célébrait la naissance de l'Église. Apocalypse et Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41 à 47. Lors de la Pentecôte de l'Ancien Testament, pendant que Moïse a descendu avec table de pierre, il a descendu à bon an, jour fête là pour commencer. Et puis pendant table de pierre, a descendu. Sous un espace, sous une montagne là, dans Exode 32, verset 28, il y a 3000 personnes qui mourent. 3000 personnes mourent. Le premier jour, il célèbre Pentecôte juive. 3000 personnes mourent. Exode 32, verset 28, oui, à Lille. Et pourtant, lors de la Pentecôte chrétienne, pendant le Saint-Esprit lui-même, il descend. Il a sauvé 3000 personnes, mes amis. Il a descendu tuer 3000 personnes. Il a descendu, il a sauvé 3000 personnes. C'est parti, différence, non? Et c'est ça que fait l'apôtre Paul. Et le a descendu, il a sauvé 3000 personnes. Dans l'acte des apôtres, chapitre 2, verset 41. Il a tué 3000 personnes. Et dans l'Ancien Testament, c'est exactement Exode 32, verset 28. Le Saint-Esprit lui-même a descendu pour sauver 3000 personnes. C'est Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41. Il chaque gros travail à faire. Et c'est ça que fait l'apôtre Paul, pral dit, selon 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Lire le yon, ministère de la mort. Lire le l'autre, là, ministère de la vie. Ministère de la mort, Pentecôte, Ancien Testament, c'est la mort de beauté. Pentecôte, Nouveau Testament, c'est la vie, le bail. Yon tue 3000 moun, yon sauve 3000 moun. On nous dit amen, non? Mais bien aimé frère, ce n'est pas deux causes. Apôtre Paul, le ministère, ça y a un ministère de la mort. C'est la mort, le bail. C'est gros causé, selon 2 Corinthiens 3, 6, à continuer. L'autre analogie, c'est la Pentecôte de l'Ancien Testament, l'inaugurer d'une manière prodigieuse. Regardez Exode chapitre 19, verset 16, prend verset 18, deux versets, Exode chapitre 19, verset 16,
et prends verset 18. De même pour la Pentecôte du Nouveau Testament, vous regardez tous les devenir d'une manière prodigieuse. L'Exode 19, la Pentecôte, regardez, le tableau descend. Ce n'est pas de causer. Il y a du vent, il y a une force, il y a une goumé. La nature est branlée. L'Exode 19, verset 16, verset 18. Et pourtant, le Saint-Esprit doit descendre. Même phénomène n'arrive. Même phénomène n'arrive, mes amis. Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 2, verset 3, pour eux. À le comparer avec Exode 19, verset 16. Et lis verset 18, là, deux versets dans Exode. Et puis, vous appelez l'acte des Apôtres lui-même. Le Pentecôte juif a inauguré, c'est pas deux événements crivés. Hein? C'est pas deux, n'est-ce pas, événements qui rivaient dans le jour ça. Et pourtant, le Saint-Esprit aussi a descendu. Et pas deux événements. Et l'on a regardé ni l'Ancien Testament ni le Nouveau Testament. Toutes les deux passaient même gens, événements au même gens. Vent a soufflé. Et comme si du feu qui a descendu. Montagne, Moïse a descendu. Et bien, le Saint-Esprit descend, t'as coup du feu sous mon yo. Même bagaille là. Et où l'autre analogie, Pentecôte du Nouveau Testament et Bethléem, gagnons une analogie dans Bethléem avec avec Pentecôte. À Bethléem, le corps de Jésus vint au temple pour le Père. Bon Dieu, tu as besoin d'un corps pour le te agir. À Bethléem, il mettait comme ça, Jésus fait à Bethléem. Parce que Dieu agit à travers le corps de son Fils, selon Hébreux, chapitre 10, verset 5. À Pentecôte, lui-même, on va le voir Dieu pour le préparer, le corps, pour permettre à son esprit d'agir. Dieu le Père a besoin d'un corps à Bethléem pour agir. C'était Jésus, son Fils. Mais le jour de la Pentecôte aussi, Dieu avait besoin d'un corps, un autre corps, qui est l'Église, pour agir aussi, selon 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. La Pentecôte du Nouveau Testament et Babel. En pile théologien, ils ont fait des approches entre Babel et l'ont regardé et allusion aux belles. Donc, aux belles, aux belles, aux belles. Regardez pour la Pentecôte du Nouveau Testament et Babel. À Babel, au sujet Babel, chapitre 11, dans la Genèse. À Babel, des hommes pécheurs, ils ont entrepris, n'est-ce pas, une construction. Et pour leur propre gloire, ils ont voulu construire tour de Babel pour propre gloire, puis ils ont tête de gloire, selon Genèse 11, verset 4. Et pourtant, à la Pentecôte, des chrétiens, des hommes sauvés, se soucient de la gloire de Dieu. Regardez pour l'acte des apôtres, chapitre 1, verset 14. C'est pas tête de la gloire, le jour de la Pentecôte, n'est-ce pas, le Saint-Esprit descend, et bien d'où les hommes de Dieu, des hommes sauvés, yo soucié yo de la gloire de Dieu. Yo pas soucié yo de gloire, Chanel propre tête yo. C'est Babel qui était comme ça. À Babel aussi, Dieu te confonde le langage des hommes. Regardez pour Genèse, chapitre 11, verset 9. Bon Dieu, mettez confusion dans la langue monde à Babel. Et pourtant, le jour de la Pentecôte, vous pouvez Dieu rendit compréhensible le langage des hommes. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 8. À Babel, confusion de langage. Le jour de la Pentecôte, n'est-ce pas? Un langage compréhensible. Tout le monde, une bral comprenne l'autre. Il a parlé, il a parlé la langue, nous. Comment? Il a parlé la langue, nous. Comment? Et pourtant, la tour de Babel, c'était confusion. Il n'a pas comprendre l'autre. Dans Actes 2, verset 8. À Babel, Dieu t'a dispersé les hommes sur toute la surface de la terre. Genèse 11, verset 9. Et pourtant, le jour de la Pentecôte,
Yo dou Dieu rassembla hein, les hommes de partout dans l'église. Regardez pour Acte 2 verset 5, lit verset 10, rivé verset 11. Tour de Babel, bon Dieu dispersé moun. Et pourtant le jour de la Pentecôte, bon Dieu réunit tout le monde. Et puis il fait tout le monde à parler langue, yo ne comprennent. Même comprendre ça belle lui. On est arrivé dans le ciel, nous tous parlons les mêmes langues. Avec français, anglais, espagnol, chinese. Vous savez, des gens qui parlent de développement, de qui ça a dit. Parfois, même, tellement de gens parlent, on va dire la bagaille l'aide, la langue l'aide. Et vous allez parler créole pour tout, dire la bagaille l'aide. Ou bien, il y a l'autre qui dit, oh, mais moi, mais son ça. Quand l'autre même, il a dit, moi, mais son créole là, même s'il va comprendre. Nous, nous ne pas comprendre l'autre. Mais quand joue, nous tous prêts à parler les mêmes langues. Je dis à la nègre, parle français, ça tient l'intelligence, surtout dans le contexte en Haïti. Nègre, de toi, moi, le connais, bon, il connaît l'intellectuel, il parle, il connaît lui. Donc, et importance, non, ou vient tomber dans la classe sociale à partir de la langue, malgré son langue cap tout pis, nous tout. Langue, pour nous montrer valeur, il parle. Et pour un jour, la langue va finir. Nous allons parler une seule langue. Donc, un jour, la langue tombe dans la confusion. Un jour, la langue, tout le monde entendait, on a parlé la langue. Un jour, la tour de Babel, tout dispersé. Sur toute la terre, quand il dispersé, Genèse 11, 9. Eh bien, la tour de Babel même, c'est rassemblé, rassemblé. Tout le monde, partout, côté sorti, rassemblé à Jérusalem. Réunis ensemble. Acte 2, verset 5, lit verset 10 et 11. Et puis lit Éphésiens 1er, verset 10. Aussi, Acte 2, verset 5. La foule rassemble à Pentecôte. Selon Acte 2, verset 11, tous furent surpris. Nous les entendons parler dans nos langues. Des merveilles de Dieu. Comment on fait attendre à parler merveilles de Dieu dans la langue pas non? Toutefois, certains se moquent d'eux en disant, oh, ils sont pleins de vin doux. Chapitre 2, verset 13. Amen. C'est clair de qu'on fait mon parler comme ça. Mes amis, plutôt tout le monde t'a éclairé. Pour éclairer une fois tout nous interprète. Non, mon cher, clairin qu'on fait moun parler langue démagogie. Clairin faut parler langue ou parler, ou qu'on parle. Li bon aptitude pour langage ou pour pas gagner intimidité. Mais clairin pas qu'apprendre nous parlons langue. C'est seul le Saint-Esprit de Dieu. Les ap gade moun yo ka parler langue, yo di moun yo sou, tellement la confession, par contre, qui sa pour yo fait. Donc, la tour, le jour de la Pentecôte, il y a une confusion, tout, oui. Il y a une petite confusion avec les gens qui ne peuvent pas comprendre mon Dieu. Parce qu'il y a dit, qui ça va passer là? Il va parler la langue, non? Ah, mais non, 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 c'est sûr, sûr. C'est clair, au bout. Pierre, tant de gens qui ont dit que c'est sûr, ils ont dit que Pierre conteste cette conclusion. Il est vrai. Il n'est pas sûr, il est sûr. Il est vrai, quelquefois. Le fait d'être rempli de l'esprit ressemble par certains côtés à l'ivresse provoquée par le vin. Quelquefois tout, l'homme balait cet esprit, il semble en batafiavri. Il semblait ça. Regardez pour Éphésiens chapitre 5, verset 18. Mais ça texte l'a dit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Quelquefois, divin qu'on a envie de faire, nous, t'as envie d'agir, t'as comme on dit, pas un contrôle vrai. C'est vrai. Mais divin, c'est l'elfe tombé. Sous ton bac radou, levé, tout est levé. Mais le Saint-Esprit, pas le Saint-Esprit de Dieu, et puis radou levé. Corps tombé, doigt cassé, et pas l'eau gagné. Il va même bagaille. L'eau gagne le Saint-Esprit, il contrôle tout.
Et pourtant, l'eau boit ta fiole, soukra tombe même dans du feu. Ou pas qu'on est tombé dans le trou. Et pas deux mouns qui mourent dans ta fia. Ils tombent dans le trou. Donc, les deux sont le résultat d'un processus irrésistible. Ni du vin, ni clairin, ni le Saint-Esprit. Yo tous les deux, yo ces résultats, yo un processus irrésistible. Regardez pour elle en Jean chapitre 7, verset 37, verset 39. Prends note ça au boulot la caillou. Tous les deux, c'est comme si tous les deux ont autorité sur vous. Tous les deux confèrent hardiesse à celui qui est sous leur contrôle. Non seulement le Saint-Esprit fait mon hardi, autorité. Apôtre Paul campé rempli de l'esprit dans Actes des Apôtres chapitre 4 il commence à parler où on qui t'a couru père moun qui perd dit moun il s'est dit Jésus qu'on a à cause lui rempli de cet esprit qu'on a Pierre campé l'a parlé qu'on a dit yes pour le présenter Jésus de même aussi en bas clairé bon nèg la rentré là le discours lui pas besoin connait si français la tête en bas si créole la tête en bas si anglais a manqué morceau il pas cœur de moun parce qu'il a parlé. Parce que l'ambatafial, il n'y a pas une affaire avec moi. Donc, tous les deux, bagay sa yo, yo sou ou, eh bien, ou pas qu'à résister. Yo gen contrôle ou. Les deux créent un besoin d'en avoir plus. Tous les deux, ni clairin, ni Saint-Esprit, gen des éléments, yo gen semblables. Parce que l'on gen le Saint-Esprit, tant qu'on gen le Saint-Esprit, ta remen rempli. Chaque jour, tu as remis rempli de cet esprit. Ou tu as remis gain. Et pour te l'avoir bu éclairé, tu as quoi pour un gorger, il pour un deuxième. Un verre pour un deuxième, pour un troisième. Mon qui t'a fait à éclairer pas, j'aime satisfaire. Tu as bouel. C'est de même le Saint-Esprit de Dieu dans la vie. Le rempli comme si, ou ça, tu as arrêté la net, ou tu as arrêté dormir là, ou tu as arrêté vivre la net. Le rempli avec le Saint-Esprit. Les deux créent. Un besoin d'en avoir plus. Corinthiens chapitre 14, verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Avait dit, il y a une bagarre qui deux différences qui est dans ça. L'on rempli de cet esprit, ou le Saint-Esprit soumet en bas autorité. Ou pas qu'à remplir dans l'église, il y a prêché, il y a fait des ordres. Il y a emmoué le Saint-Esprit, tombe à terre. Bon, il y a prêché. Et pas l'orgue, on pas qu'un béco. Faut dire, vous sentez parfois, vous sentez en extase, vous sentez la présence de Dieu. Mais là, vous sentez pas sous terre, c'est vrai. Vous dites des paroles, alléluia, devant Dieu. Vous parlez avec mon Dieu. Mais quand on dit amen, taisez-vous. Et puis tout le monde, taisez, et pas mauvais esprit sous vous. Ou que contrôle-li. C'est ça, l'apôtre Paul dit. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Et depuis que le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il ça c'est le contrôle ouvré, oui. Mais l'on bali, ou gen bon sens ou. Dans Jean 4, verset 1er, bien-aimé, la Bible dit n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est pas de... Nous avons pile travail pour nous faire actuellement là, les chrétiens, les serviteurs de Dieu. Nous parlons en pile de cet esprit. Mais l'objet d'action, il n'y a pas de rapport avec le Saint-Esprit. Important. Et ça fait la Bible dit, pas ajouter foi à tout esprit. Nous sommes des prédicateurs, nous connaissons ça pour gagner cet esprit, il faut tomber à terre, il faut rouler. Faut être tout cassé. Ben, ça t'est arrivé même dans plusieurs églises, dans la capitale Port-au-Prince. L'église de Dieu, longtemps. Les doctrines, ça t'est voulu entrer. Mais on t'est couru chasser. Les gens qui remplissent depuis un dans sous chair. Et puis après, on l'est tombé dans la cour. Plusieurs églises nous connaissent. C'est une fausse doctrine. Pour que le Saint-Esprit faut tomber à terre. C'est menti. Il c'est bluff. L'on rempli avec le Saint-Esprit, ce n'est pas un batafio rempli. Tous les deux gagnent façon de contrôler.
Mais le Saint-Esprit n'a pas même attitude libre avec ta fia. C'est ça que fait maintenant au besoin en pile. Ce n'est pas deux prophètes, ce n'est pas deux paroles. Mais qui ont crété, ils ont mangé, ils ont assez de petit mi, et puis ils ont pris un bon verre de jus, et puis ils ont levé, ils ont rempli. Et puis il y a parlé de prophètes, ils ont fait toute bagaille, ils ont fait toute bagaille. Pas oublier, mes bien-aimés, vous avez besoin de sonder. Ce n'est pas lire seulement pour lire la Bible. Méditer, important, mais troisième élément, vous avez besoin de sonder l'écriture pour comprendre ce que bon Dieu dit. Il ne faut pas quitter le monde, il faut faire tintin. Environ 17 personnes de l'Ancien Testament ont gagné cet esprit de Dieu sur eux pour un ministère spécial. Ils ont gagné Bethsalé, elle, qui était rempli avec le Saint-Esprit pour faire qui ça? Pour le remplir, pour le faire construction du tabernacle. Regardez Exode 31, verset 3. Quand il y a qui pensait pour remplir du Saint-Esprit, c'est en langue pour parler. Pas forcément. Remplir du Saint-Esprit, parce que vous devez parler en langue. Parler en langue sont dons liés, malgré que plusieurs théologiens qui disent qu'ils cessaient depuis le premier siècle. Que je ne pas fin partager l'idée. Mais ça, elle était remplie de cet esprit pour te jouer une aptitude pour construire le tabernacle. Là. Exode 31, verset 3. À l'île. Deuxième, on a été au Othiel. Tu as aussi deuxième, Gédéon. Tu as Jephté. Nexa, il était rempli de cet esprit, puis il était devenu juge. Puis comment on peut juger nation, puis contrôler, gouverner. Il était rempli de cet esprit, parce qu'il était parlant en langue. La Bible dit pour qui raison. Chapitre 3, en juge, verset 10. Chapitre 6, verset 34. Chapitre 11, verset 29. T'es comme l'autre garçon encore, David. T'es rempli de cet esprit pour qu'il soit roi. Tendez ça. Pour le devenir roi. Pour le devenir roi. Gardez pour vous exactement l'an 1 Samuel 16, verset 13. Ah, t'es que Gédéon. Gédéon, t'es rempli du Saint-Esprit, l'an juge 6, verset 34. Pour le qui s'est rempli, pour le casson des trompettes, mes amis, et pas pour le parler en langue. Il y a pile de monde qui l'a gagné la confusion. Rempli du Saint-Esprit signifie que faut bon jargon. Même si vous n'avez pas de don, faut faire coquin, bah, menti. Il y a même qui cherchait deux, trois mots grecs, ou bien deux, trois mots espagnols, deux, trois mots hébreux. Et puis, il y a 10 paroles. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Vous êtes capable de remplir de cet esprit. Et vous parlez en fait en parlant en langue. Amen, oui. Il y a un homme rempli de cet esprit, en juge 6, verset 34. Gédéon, il y a tout le rempli de cet esprit pour être capable de sonner de la trompette. Il y a des travaux où on fait dans l'église, c'est parce qu'on remplit de cet esprit. Il y a même, on va créer une église là, c'est le rempli ou rempli, qu'il faut jouer un travail, ça a bouffé. Ou maïsou choral là, c'est rempli ou rempli. Bon Dieu rempli ou pour faire un travail. Il remplit pour jouer musique. Il remplit pour prêcher. Pour travailler, bon Dieu. Et, gardez pour vous, dans le Nouveau Testament, maintenant, moi, il est là. Il y a tout que Élisabeth remplit du Saint-Esprit-là. Luc 1er, verset 41 45. Élisabeth remplit. Et puis, il a commencé à parler avec Marie. Et bien, en jargon, non? Marie a attendu. Il a parlé avec elle. On met à l'île dans Luc 1er 41 45. Oh, oh Zacharie, oh, Zacharie rempli du Saint-Esprit dans Luc 1er verset 67 69. Il rempli. Les louer, n'est-ce pas? Nomme ça, petite ça. Il rempli, Zacharie rempli. C'est pas de causer. Ou qu'à chercher pour remplir du Saint-Esprit, mais ou pas qu'à chercher pour baptiser du Saint-Esprit. Parce que, au baptisé depuis le jour où tu as accepté Jésus, son don, mon Dieu, bah, au baptisé du Saint-Esprit. Éphésiens 1er, verset 13. S'ouvre les goumets, goumac la Bible. Il y a quatre bagailles où tu as fait le Saint-Esprit. Où tu as attristé le Saint-Esprit.
Dans Ephésiens 4, verset 13, l'on va vivre dans la saleté, dans l'iniquité, dans la malpropriété, l'on va vivre en opposition à la volonté, à la parole de Dieu. Bon Dieu, parle-le, pas attendez, parle-le, chaque jour, mon Dieu, parle-le à travers les ondes, à travers Facebook, à travers YouTube, l'on dans l'église, il voit petit monde, parle-le, grand monde, mais ça la vie, sous différentes formes, ou pas, attendez, maintenant, on arrive dans la limite, ou attrister le Saint-Esprit de Dieu. Et l'on attristé le Saint-Esprit de Dieu, ou perdu un pile privilège dans la vie, ou perdu la joie, ou perdu la paix, ou perdu le combat. Et ça, c'est le premier bagage, ou qu'a attristé le Saint-Esprit. Deuxième bagage, ou qu'a fait le Saint-Esprit, ou qu'a même éteint dans la vie. Oui. Regardez 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. Ou qu'a attristé le Saint-Esprit, Ephésiens 4, verset 30. Ou qu'a éteint 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. Où est-elle? Où est-elle? Il n'est pas allumé encore. Longtemps, l'autre est dormi, t'es qu'on voit comment, ou t'es qu'on a pris victoire, même dans le sommeil, sous baka, campé à képé, ou dans mon enfant sommeil, dans la vision, qu'on n'a pas pour dormir, c'est vieux rêve mort à faire, ou est mort qui a couru d'ailleurs, mort grand ou qui a battu, ou est mon ou est pour pêcher, ou pour fourmi, ou pour toute bête qui a couru d'ailleurs, moi, vine par la voix, ou est mon papa qui goise à vine calé, ou carrément, ou pas que même autorité pour dire papa, c'est moi, je ne vais pas déclarer pour bon coup, je sorti devant moi, ou pas que même autorité dans le sommeil, et pourtant longtemps t'es plein, ou éteindre cet esprit dans la vie, ou. À cause ou à vivre mal. Ou qu'à éteindre, il pas fonctionner encore avec vous. Et pas parce qu'elle quitte net, non? Mais ou éteindre. Le troisième bagage ou qu'à faire le Saint-Esprit, ou qu'à profaner. Ou qu'à profaner. Dis bagage, le Saint-Esprit parfait. Dis vieille parole, vieille bagage sur Saint-Esprit, sur mon Dieu. Regardez pour 1 Corinthiens 3, verset 16. Allez, ou qu'à profaner le Saint-Esprit. Bon côté même dans le plus loin, il dit que le Saint-Esprit qu'on même quitte, malgré un pile théologien, pas partager point de vue. Parce qu'il dit que le Saint-Esprit pas qu'à quitter. Et s'il quitte, il pour mon perdu. Et il pourrait être même si on va faire un bagage mal, il pas travaille là ou encore, mais il était là. Mais de temps en temps, tout le vin, il dit songez quand on t'est, oui. Songez quand t'es Jésus, oui, il a pas là dedans, et il a stimulé ou les pour retourner pour faire surface, pour faire vol de face. Il dit, théologien, dit, s'il t'a quitté net, ou pas t'as besoin de en vie ça, ou pas t'as besoin de tirer appel ça, t'es tourné, qui compte au bras là, ou pas on perdit. Mais, gon l'autre groupe même qui dit, noir sur blanc, li ka quitte ou. Li ka quitte ou net, abandonne ou quitte ou. Et ou gè des versets pour ça. Li ka quitte ou. Gardez l'an Juge, chapitre 16, verset 20. Et puis, al gade l'an 1 Samuel 16, verset 14. Soit allez dans Ézéchiel 10, verset 18 et 19 aussi, soit allez dans Somme 51, verset 13. Ce sont des versets qui prouvent que le Saint-Esprit de Dieu a quitté même. Et au banon, ou exemple biblique que Samson t'est rempli avec le Saint-Esprit. Regardez l'en Juge 13, verset 25. Texte là d'où Samson rempli. Le rempli avec le Saint-Esprit, ça n'y est pas où langue ni parler. Les Philistins qui ont fait des tout. Les lions viennent devant, ils prennent, ils en chirent. Ils ont force. Tout ça, ils sont remplis avec le Saint-Esprit. Mais ça, c'est qu'on fait. Ils ont autorité pour le gourmet dans Juge 13, verset 25. Oh, le Saint-Esprit quitte, regardez pour le même juge là. Qu'on a dans 16, verset 20. Je dis bon, Juge 13, verset 25. Les ça, ils sont remplis avec le Saint-Esprit. Et bien maintenant, regardez pour le perdu. Dans Juge 16, verset 20. Le Samson dit Philistin sous où et de lui a dit Philistin sous où patati dans chapitre 13 et puis levé mon côte qui était sous l'île cassé yo et puis il prend position pour goumer là il était rempli avec Saint-Esprit dans la ville là il perdu le Saint-Esprit de Dieu le Saint-Esprit abandonné le chapitre 16 le juge qu'on a le même madame lui encore dit Philistin sous Samson gardez pour une déclaration Samson fait. Dans le chapitre 16, gardez nom d'arrêt mon lit, lui, il est important pour ta lille. Juge, mes bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas de causer, ce n'est pas de parole qui gagne. Et on dit que, et il arrive, monsieur arrive dans le lit, on a l'air, on dit, mais yo sou Sam, toi Sam, dégage, yo Sam, Sam, mais yo sou, verset 16, d'arrêt mon lit, et où m'arrêt mon lit, même, qui fait un petit temps. Chapitre 16, verset 20.
Ou qu'à lire chapitre 13, verset 25, là, bon, ça, lui, même, est plus simple. Regardez pour, verset 25, là, nous courir, parce qu'il a couru sur nous à cheval. Chapitre 13, verset 25. Il dit que, et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Makanedan, entre Soa et Est, ta Ol. Et après toute approche là, comment l'esprit a travaillé avec Samson, comment Samson a autorité, pouvoir pour le gourmet, pour le bataille. Maintenant, nous regardons l'El Père Dieu là pour sacrifier. Regardez pour le chapitre 7, verset 20. Pour nous, Regardez. Belle. Et puis, mais ça, madame n'a dit. Et elle dit à Samson, et les Philistins sont sur toi, Sam. Après, elle finit couper cheveux, elle finit bagaille net, qu'on a le père du puissant Slami. Et puis Samson, et il se réveilla de son sommeil. Ça, non seulement son sommeil biologique, mais son sommeil spirituel. Et dit, mais ça Samson dit, Samson qui a parlé. Il dit, Samson, oh, les Philistins sont sur toi. Samson levé tout pas comme l'os levant bon taf ya en bon dormi ou tombe pas comme s'il en haut c'est le minuit ou pas comme on va dormir la journée l'on levé ou levé vers 6 heures tellement son fond sommeil et puis l'on levé à 6 heures et vous tombe dit oui bon Dieu m'arrête ou que t'a mettre sous les lampes mais c'est dans le travail oui même 6 heures ou je vais mettre gars sous et pourtant l'on est même jour allié oui il beaucoup demain non. Donc Samson kounya qui ça Samson va répondre l'elle pendant l'esprit de Dieu qui t'elle. Samson dit, cadeau, mais vers blanc pile. Je m'en tirerai. Je m'en tirerai comme les autres fois. Et je me dégagerai. Quand on voit Samson utiliser le verbe dégager, m'a dégagé. Samson perdit toute autorité, tout pouvoir. Le Saint-Esprit quitte-le. Ça te qu'on bal fausse capacité. Je n'ai pas de nous, captant de m'la, perdu présent mon Dieu longtemps. Nous faya. Que bagaille n'a dit nous pas doué dit qu'a saute l'embouche nous parce que le Saint-Esprit de Dieu parle la vie nous ou pour propose quelquefois le Saint-Esprit avait ou rempli pas vrai que des bagaille ou fait l'impossible pour un serviteur de Dieu un servant de Dieu t'a agi Jean Avagia l'impossible je me dégagerai comme les autres fois. Je menti, oui, menti, Samson. Ou sous bluff. Ou l'a menti. Quelquefois, bon Dieu, rejeté nous. L'envie, la saleté, tout ça n'a fait. Quelquefois, il est sous forme liée. Parce que la présence de Dieu parle de la vie, nous. Mais n'a fait moun connaît, n'a pas moun yon fourbe, yon prestation. Comme si nous remplis, nous collac, bon Dieu. Bon Dieu parle avec nous chaque soir. Et pourtant, là, on prend le compte de nos positions. L'engage, dit bon Dieu parle avec nous. Son prétention liée. Parce qu'on a perdu la présence de Dieu. Bien-aimés frères, c'est pas deux causes. Samson perdu présent bon Dieu. Je suis allé dans 1 Samuel chapitre 10, verset 10, 1 Samuel 16, 14, à continuer. Je dis, l'esprit t'est saisi Saül. Gon le Saül te gen l'esprit de Dieu saisi le tout. Mais gon le tout Saül a cherché le Saint-Esprit il va joindre. Il va joindre. Les deux exploits du Saint-Esprit c'est être capable de produire des miracles. Le monde qui est rempli du Saint-Esprit. Bon Dieu ba autorité aussi pour marcher sous baka, sous démon, sous diable, mauvais esprit. Des esprits pitons dans l'air. Bacac le avec les détruits. Qui les mestop toute la vie. Eh bien, l'on rempli de cet esprit de Dieu. Ou pas de place pour bac entrer dans la vie. Il y a noué, il y a un mec d'eau. Ou prendre, il y a attaqué. Mais bac pas qu'à atteindre. Il y a un monde qui est rempli. Il y a frappé, il y a blessé. Apôtre Paul même rivel dit où l'ange de Satan m'a soufflété. Mais un monde qui remplit du Saint-Esprit, ou pas qu'à mourir avant l'heure, ou pas qu'à mourir mon forcé, ou pas qu'à mourir mon prématuré, ou pas qu'à mourir qu'à mourir avant l'heure. Ou capable, autorité,
Le deuxième bagage là, vous venez brave, ou vaillant, ou courageux, selon Actes chapitre 4, verset 8, verset 19. Ou alors Pierre va le camper, rempli du Saint-Esprit. Nous avons fait un petit bac pour nous dans Actes des Apôtres, chapitre 4, pour nous causer. Actes des Apôtres, chapitre 4, nous avons couru avec vous. Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 8 et verset 19. Mais verset 8 là. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, lui rempli du Saint-Esprit, il a dit, est-ce que son jargon ne t'a pas dit là, mon ne pas comprendre? Non. Lui rempli du Saint-Esprit avec autorité pour prendre la parole sous nom bon Dieu. Et puis il commençait par les chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Il a parlé avec autorité. Regardez verset 19, pourquoi aussi. Il continue à parler, verset 19. Il dit, Pierre et Jean leur répondirent, ils viennent braves. Il dit, monsieur Sanhédrin, 70 garçons plus, un souverain sacrificateur fait 71 qui étaient formés Sanhédrin. Il dit, Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, monsieur. Nèg qui t'a caché Pierre ou dit Pierre est-ce que tu connais Jésus? Non, pas ta connais là. Moi-même, mais qu'on a campé rempli cet esprit qui a défendu. Il sent-il pas peur personne ni pas peur peuple. Mais bien-aimé, et pas deux causés. On a besoin de cet esprit qui est des emblèmes, les bails. Environ presque sept emblèmes que nous jouons de cet esprit gagnant. De cet esprit, on parle au dans la Bible comme une colombe. Qui traduit, n'est-ce pas, yon esprit de la pureté, paix, modestie. Ou pas qu'il y ait le Saint-Esprit de Dieu, et pour pas qu'il y ait pureté dans le langage ou, dans le comportement, dans la vie ou. Ou pas qu'il y ait le Saint-Esprit, ou pas qu'il y ait la peine dans le monde. Ou pas qu'il y ait le Saint-Esprit de Dieu, pour pas modeste. C'est ça, le Saint-Esprit de Dieu, c'est le symbole colombe. Deuxième emblème, le Saint-Esprit, c'est le symbole de l'eau. L'eau, qui ça l'eau fait? C'est signe de vie, un signe de purification, parce que de l'eau lavée, de l'eau retirée malpropreté, de l'eau retirée saleté, ou pas qu'à rempli de cet esprit, pour vivre dans l'iniquité. C'est le symbole de l'eau, ou sale trop, et puis pour dire qu'on rempli de cet esprit, dans le comportement. Troisièmement, le cet esprit de Dieu, c'est le symbole de l'huile. Le symbole de l'huile, là, l'huile, son bagage de loin qu'on doit éclairer. Donc, lumière. Il est symbole de guérison aussi. Il est symbole d'onction. Ou onction, mon Dieu. Ou clairé. Même les bagailles ont passé mal. Bagailles ont drôle pour mon pas semblant au monde qui est fini. L'eau rempli. Dans le Saint-Esprit de Dieu dans la vie. Quatrième symbole là, c'est le sceau. Ça lui indique appartenance. C'est fin d'une transaction. C'est une sécurité, appartenance, sceau. Symbole sceau signifie ne pas appartenir au monde. Nous avons sceau sous moi. C'est sceau Jésus mettait. C'est sceau Saint-Esprit. Cela veut dire que le monde qui est rempli du Saint-Esprit, qui le Saint-Esprit de la tête, il va appartenir à la tête. Quand on y est, et c'est de même aussi le monde qui est le Saint-Esprit de Dieu, tout qu'on est difficile pour le monde, ça a perdu, il n'a pas perdu. Ou quand pour un bœuf ou selel, ou marqué bœuf là, bœuf ça met perdu, il veut tout connaître, il n'y a pas tué, il est brûlé bœuf là, il faut parler de sous bœuf pour là, parce que il y a R.S, il y a G.S, il y a Jésus, il y a Saint-Esprit, il y a, ou pas comprendre, l'on va ou seler un livre, quand on passe ou je ne sois, ça c'est à femme. Et ça fait que mon état où est la vie, il n'y a pas mettre langue sous lui. Bon Dieu, petit bon Dieu lié. Ce monde qui est scellé mais qui est garé. Donc, ou appartenir à Dieu, cinquième
symbole de cet esprit, le vent. Il est indiqué, n'est-ce pas, la puissance invisible, le vent. Puissance invisible. Ou autorité, ou un bon pouvoir. Le sixième symbole de cet esprit, le feu. Le feu symbolisait la présence de Dieu. Il symbolisait chaleur pour mon Dieu. Ou pas dire mouler l'évangile, ou pas j'aime gagner vie pour faire rien pour mon Dieu. Ou pas qu'on du feu dans ou du tout le vol lever camper pour mon Dieu. Ou pas occuper moun. C'est moun kap dou qui ça pour faire. C'est moun kap dou qui j'en pour faire. C'est moun kap dou qui sont doué faire l'église. Non pas faire. Fais ça. Ou ton yon remote control y a contrôlé ou. Et pourtant c'est le Saint-Esprit de Dieu qui a de contrôler la vie ou c'est le feu. Ou pas capable de chaleur pour mon Dieu. Et septième symbole de cet esprit de Dieu, c'est les arts. A-D-R-H-E-S. Les arts. Ah, là, ça lié, c'est une somme d'argent, un verset et des signatures de contrat à titre de gage. Et ou l'achetez un bagage et ou payez ou bah un morceau d'argent sur l'île. Pour oui, mais vous pouvez longer le bas ou net. Ou ça, c'est ou bah un engagement, soit un engagement lié. Eh bien, le Saint-Esprit de Dieu, c'est un engagement en attendant. Pardon, sous terre, ou c'est petit bon Dieu. Même si vous marchez sous terre, ou vous travaillez, même contact vous avez mon Dieu, mon c'est petit bon Dieu, ou on contrôle. Vous êtes investi sous vous déjà. Mais bien, mes frères et sœurs, pour nous terminer, l'homme a été créé par l'Esprit de Dieu. Regardez pour Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme. Il souffla de ses narines. Un souffle, l'Esprit de vie. Et l'homme devint un être vivant. Et soit regardé Job 33, verset 4, la Bible dit que l'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Nous sommes des êtres créés par le Saint-Esprit. Ézéchiel 37, verset 10, il dit, l'Esprit entra en eux et ils respirent. L'Esprit entre sous eux. Ouais, qui chaque fois vive aujourd'hui l'Esprit de Dieu que nous l'avons. L'Esprit de Dieu. Où tu es fort seulement, lever campi pour mon Dieu. Donc mes frères et sœurs, c'est gros causé. Avec le Saint-Esprit de Dieu, nous ferons des exploits. Un seul bagage, pas attrister. Pas vivre mal pour le Saint-Esprit de Dieu abandonné. Servir mon Dieu côté hier. Dans où tu es, dans l'église où tu es. Le travail ou a fait, contrôler le langage, le comportement, montrer le Saint-Esprit de Dieu dans la vie. Ou même tout cap dormi, perdu présent mon Dieu longtemps. Dégage ou réveillé. Pour jamais que tu te conserves avec vous. L'autre ou en bagage, l'autre en vision, sort ou assez ça. Mais qu'on a ces forêts ou a fait. C'est soi-disant mettre à jour une église. Mon senti, et c'est ça que monsieur dit, oiseau à l'amour, c'est le mot où qu'on est. Si le vivant, on connaît. L'homme, tu as perdu, n'est-ce pas, contact ou quoi ça, près d'un jour de prière. Viens nous compter pour tout. Cherchez mon Dieu. Dis, Seigneur, je me sens perdu contact avec tes gavots là. Je me sens même la vision, Seigneur, de ma chère Mbawe. Seigneur, tant pis, fais-moi grâce. Passe avec moi, non. Pas garder bagaille. Pas garder ça, dit de où. Ça, mon abdi de où. Pas garder problème ou gagner. Difficulté ou gagner. Tête chargée ou gagner. Moun qui pas comprendre nous. Pas garder sous yo. Ou perd tout contact. Dis, de tant prie. Levez-moi encore, non. Le Saint-Esprit de Dieu. Mettez-moi sous mon encore, non. Le Saint-Esprit de Dieu, fais-moi grâce. Et me croyez, le Saint-Esprit de Dieu est toujours disponible pour vous-même. Puis, vous faites le courrier à loin. T'en prie. En grâce, n'a pas demandé. Ou ton bombe spirituel. Ou ton monde tellement beau, tu te conserves à vous, son bombe ou t'es. Mais quand vous quittez une bombe pour mon Dieu, pour exploser pour mon Dieu, ou vous tourner une bombe à retardement. Ou. Ou vin, différent. Parce qu'on est trop vieux amis, non trop mauvais amis, je dirais. Trop monde qui a conseillé au mal. Trop direction y a barou. Ou casse tête ou tout y a pas ou de bon Dieu du tout. Le Saint-Esprit de Dieu a parlé avant, qui te baka parlé avant. Et qui s'en répond ou répond baka ou qui te la présence de Dieu. Bon Dieu a pris Léo. Je ne sais pas si on va aller là, bon Dieu, tu connais des dons. Et puis on perd du don. Le Seigneur renouvelé dans moins d'hommes de guerre. Et pour que les dons, ça a obligé quelqu'un pour couper contact avec eux.
Pour jouer une dose encore, il y a un contact où tu dois couper. Mettez fin. Trop parlant pile, trop bagaille, trop problème. Et puis pour mon Dieu renouveler. Gidak moun wap marché, ou me fait vie ou pas senti présent bon Dieu. Quelqu'un contact ou besoin couper dans la vie ou. Pour se renouveler avec le Saint-Esprit de Dieu. Donc ou te gen la pour retourner en pire raide dans la vie ou. Pour l'église, pour perfectionnement. Et bien, il n'y a pas deux gagotes qui gagnent la mode actuellement. Tellement, ils ont perdu leur rôle. Et comme si ils ont vu faire mon semblé, bon Dieu, pas exister l'église, ils n'ont pas besoin de venir l'église encore. Il n'est pas vrai. C'est une tactique démoniaque pour qu'ils mettent nous toutes dehors, pour qu'ils fassent nous quitter bon Dieu. Parce que Satan, tant qu'on quitte bon Dieu, il a besoin de nous plus facile. Dégagez pour entrer plus fond, tant qu'on est à chanter, plus fond, nous pour aller de la souffrance. De Jésus, avec le Saint-Esprit, nous ferons des exploits dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.